Salut les petits amis, c'est Homegame, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour l'épisode 9 de The Legend of Zelda, Tears of the Kingdom. Et comme vous avez pu le voir au tout début, eh bien on a récupéré la tenue du prodige. Ce n'est pas l'intitulé exact de cet épisode, puisqu'on va récupérer un souvenir. Mais avant cela, je vais faire un petit tour dans le château d'Hyrule. On va récupérer un truc super important qui nous sera très utile pour la suite, qui fait partie un petit peu de mon 100%. Je vous rappelle encore une fois que c'est un jeu que je ne connais pas. Merde, je viens de me tromper d'endroit. Par là que je dois aller. On va récupérer le bouclier d'Ilia. Et comme je voulais le dire, excusez-moi, je me suis un petit peu perdu dans les conjonctures. On va aller découvrir le deuxième souvenir du jeu. Et on va découvrir la véritable apparence de notre antagoniste principal. Je vous renvoie au premier épisode. J'essaie de trouver l'endroit où se trouvait... attendez, voilà. Ok, d'accord, c'est bon. C'est entre les deux alcôves. Génial, ok. On va découvrir la véritable apparence de notre antagoniste principal, Ganondorf. Voilà, on va assister à une petite cinématique. Ça va être un petit peu de la balade, un peu d'exploration. Je vais faire du sanctuaire, on va aller au niveau du royaume d'Hyrule. Mais avant cela, je vais essayer de bien viser. Ouais, c'est bon, je sais parfaitement où je suis. Là, il y a beaucoup de sanctuaires que j'ai loupé. Je le ferai peut-être en off, peut-être en enregistrement, ça dépend. C'est selon. Là, il y a un Kurugu, mais que je ferai pas tout de suite. Allez, hop. C'est marrant parce que l'épisode 34, justement, on est à deux épisodes de la prochaine créature divine où on va aller voir Vanaboris. Et c'est marrant parce qu'il y a une corrélation, parce que Ganondorf est un Gerudo mâle. Et je vous rappelle que tous les Gerudo mâles naissent tous les 100 ans. Quand un Gerudo mâle naît, eh bien, il est appelé à gouverner ou à devenir le souverain des Gerudo. Voilà. Pour la petite... Pour la petite info, c'est marrant qu'on parle de Ganondorf parce que justement, bien là c'est le fantôme de Ganon qui fait son apparition. On va pas l'apprendre tout de suite, je suis pas encore assez puissant. Mais ça, on y reviendra plus tard. Peut-être quand j'irai dans un village bien connu, un village sylvestre. Ça vous dit forcément quelque chose, mais on aura tout le temps d'y revenir. Donc je l'ai laissé s'enfuir parce que j'ai pas... je suis clairement pas assez fort pour le battre. Alors souvenez-vous, hein, le château d'Hyrule, c'est là où j'allais faire les courses comme j'aimais le dire, et j'allais récupérer justement des armes royales, merde. Et là justement on va récupérer le trésor si on peut dire des Gerudo, non des Iliens, merde. Alors mon chat qui fait le bordel à côté, voilà c'est beaucoup mieux. C'est tellement mieux comme ça, super. Ok, alors, on va récupérer. Le bouclier d'Ilia. La légende dit qu'un héros a porté ce bouclier qui transmet au sein de la famille royale, blablabla. C'est le bouclier le plus puissant et le plus résistant de tout le jeu. Il peut se casser, je vous rassure, ou je ne rassure pas. Mais on va faire en sorte qu'il ne se casse pas. On va le porter tout le long du jeu. Et bien sûr, qui dit bouclier d'Ilia, dit lame purificatrice. Mais ça, il va falloir attendre un long moment, un très long moment avant que je le chope. Parce qu'il va me falloir beaucoup, beaucoup, beaucoup d'endurance pour avoir le... Pour avoir ce dit bouclier. On va retourner à la tour du guet. Et on va prendre notre envol et on va se téléporter direction le royaume d'Hyrule. Bon, c'est un épisode qui va faire plus de 22 minutes. C'est pas mal. J'avais promis que j'allais faire des épisodes plus longs. Et toujours ces temps de chargement qui sont longs. Tour du fort du guet, excusez-moi. Excusez-moi. Non. Voilà, pardon. J'adore cette petite animation quand on prend notre envol dans la tour du fort du guet. Ok, super. Alors, je cherche le point... point d'atterrissage. Normalement, on devrait voir le prochain souvenir. Et merde.
Où est-ce qu'il est ce salopard? Non, non. Je ne le vois pas. Putain, je vais plutôt me téléporter là. C'est vrai que les temps de chargement sont très chiants. On va pas se mentir là-dessus. Par contre, l'animation de la carte pendant les chargements, c'est beaucoup mieux que de voir un écran noir avec les créatures divines. Ça, c'est un plus. Donc, on va prendre notre envol dans la tour de la plaine d'Hyrule. Allez, go! Ok. Alors, où est-ce que tu es? Où est-ce que tu es? Non, ça on l'a déjà vu. Là! Ok, super. Alors, on aperçoit un géoglyphe. Vous allez voir, les cinématiques sont encore plus folles que celles de Breath of the Wild. Même si, encore une fois, je tiens à vous le dire, Breath of the Wild est un énorme jeu. Est un jeu tout à fait énorme. Bon, alors, on va prendre notre envol. Ou plutôt notre atterrissage. Je vous rassure, on va faire toutes les tours de contrôle. Voilà, on va vraiment faire ça. Ok, il y a pas mal de sanctuaires. Je vais faire le... Ah, putain, il y a un bug. Le jeu bug. C'est qu'il va y avoir pas mal de mobs... Dans les environs. Ok. Contrôle. Bien joué. Ok. Alors, je ne sais plus exactement. Ah si, je sais parfaitement où je suis, c'est bon. Oh bâtard. Enfoiré. Toi t'es mort. Ok, toi aussi t'es mort. Bien joué. Ok, bon, tu veux te battre. Bien joué. Hop, on va booster notre attaque. Oui, j'ai enlevé les affichages normales parce que je vais faire ça pro. Hop, 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 hop. Voilà. Non, n'y crois surtout pas. Bien joué. Hop, 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 hop. Hop, 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 super, tu es mort. Bien, on va se diriger maintenant vers le prochain sanctuaire. J'espère que l'épisode ne va pas sauter, parce que sinon ça va me faire chier. Alors je vous rappelle qu'il n'y a plus à proprement parler des flèches de feu, de glace, d'électricité et archéonique. Hein. Tout peut s'amalgamer avec les matériaux que nous recherchons. Donc je trouve que c'est plutôt une chouette idée. J'ai pris le temps de baliser en off les sanctuaires. Je vais bien sûr faire, excusez-moi, tous les sanctuaires qui sont à ma portée. Je vais vraiment prendre mon temps. Hein. Je pense qu'il va dépasser les 100 épisodes, ça c'est sûr et certain. Il y aura des moments où je vais peut-être galérer, il y aura des moments où je vais peut-être traîner en longueur. C'est tout à fait normal. Je vous rappelle encore une fois que ce jeu, je ne le maîtrise pas. On m'a fait la remarque également de ne pas être aussi rapide que Siphano. Ce à quoi je réponds que justement, je ne suis pas Siphano. Et Siphano a son façon de jouer, j'ai la mienne. Et voilà, j'entends vraiment prendre mon temps. Mais évidemment, j'essaie d'avoir toutes les tenues possibles. J'essaie d'avoir toutes les améliorations possibles. J'essaie de faire toutes les quêtes annexes possibles pour aller le plus loin possible. Ne m'envoyez pas si j'oublie quelque chose, de toute façon, on pourra toujours y revenir, voilà. Donc on va dire que c'est une sorte de freestyle. C'est une sorte de... Ah. Ça va, c'est une leçon de combat. Toi qui as pénétré dans ce sanctuaire qui purifie le mal, reçois cet enseignement. Je crois qu'il va falloir que je jette des armes uniquement sur l'ennemi. Oui, c'est ça. Ok. Donc tout ce qui est épée, flèche et bouclier ne servent absolument à rien. Je dois juste bien viser en lançant sur l'ennemi les armes qui sont à ma portée. Ah, ok, maintenir R, relâcher sur R, ok. Alors... Bon, apparemment je n'ai pas... Oh putain l'enfoiré. Non. Bon, je vais lancer une arme que je n'aime pas, l'espadon rouillé. Bien joué.
Bien joué. Alors encore une fois. Là, on va pouvoir prendre ceci. Putain, je fais une cartouchée. Et boum! Allez, tu es mort. Ok, votre hallebarde s'est rouillée, s'est brisée, blablabla. On va trouver une nouvelle arme, deux nouvelles armes, pardon. Qui nous sont très utiles à amalgamer. On utilisera ça pour l'épisode 10 déjà. L'épisode 10. C'est quand même pas mal. Et alors, je vais... Là, je dois avoir normalement 7 emblèmes, pas de triomphe, oh, je sais plus comment ça s'appelle, 7 emblèmes, 8 pardon. Et j'utiliserai une emblème pour le cœur et l'autre pour l'endurance, voilà. Et donc là, on a la lance Sonium, ok. On va la remplacer par l'espadon Gerudo. Ok, ça j'en ai pas besoin pour l'instant. Ok. Bien. Allez, c'est parti. Ouais, c'est ça. Lueur bienfaisante. J'en ai 8, ok. Je vais couper le ventilo parce qu'on entend, on l'entend en fond. Et j'ai pas envie que ça vous ennuie. Ok. Et maintenant, j'ai perdu la trace du souvenir. Du géoglyphe, pardon. Merde. Ah, il y a un korogu. Ok. Je noterai pour plus tard, vous inquiétez pas. Évidemment que je vais faire les korogu. Évidemment, mais je vais prendre mon temps. Et je vous annonce aussi que je me suis acheté le guide officiel de Tears of the Kingdom. Ça me servira également pour avancer. C'est pas de la triche, parce que je sais qu'il y a des trucs que j'aurais du mal à faire. Et ça me permettra un petit peu d'appréhender un peu plus le jeu. Donc ne voyez pas ça comme de la triche, mais plus comme une petite aide. Voilà. Alors la bombe qu'on porte rappelle étrangement les bombes que nous avons dans Breath of the Wild. Et je vous rappelle que demain sera l'épisode 9 de Breath of the Wild, qui sera assez court puisqu'on va aller directement chez les Gigas. Il sera un petit peu coupé. Je voulais faire à la base deux épisodes, mais je vais vous laisser un petit peu le suspense. Boum, ok. Par contre, les épisodes 35 et 36, ce sera la créature divine, le boss et ce qui sera son flûte après. Après, on va retourner dans, contrairement à ce que j'ai dit, dans de longues quêtes. Annexe, je vais finir tous les sanctuaires qu'il y a dans Breath of the Wild. Et on va faire un petit peu les quêtes secondaires, tout ça, voilà. Comme je vous l'ai dit, je dépassais un peu le nombre... Attends, j'ai besoin de toi. Je vais essayer de battre mon propre record de 134 épisodes. Je vous rappelle que dans le mode expert, j'avais terminé l'épisode à l'épisode 34. Donc on a battu le record du mode expert. Voilà. Et je me souviens, la créature divine dans le mode normal, c'était il y a 2 ans maintenant. On avait commencé à l'épisode 38 ou 39. Donc, sachant qu'on sera à l'épisode 35 et 36 dans la créature divine, autant vous dire que le let's play sera long, très long. Bien. Bah les amis, je suis dans la merde, je sais plus où se trouve le géoglyphe. Putain. J'aurais dû le baliser comme j'aurais dû faire tout à l'heure sur la carte. Ça, c'est emmerdant. J'espère que l'épisode ne va pas sauter parce que ça va me faire chier. J'ai pas envie de le couper au montage. Bon. Ah ok, d'accord. Je vois parfaitement où je suis. Ok. Le mont Géminé aussi, je vais le visiter. Ne vous inquiétez pas, on va tout visiter. De fond en comble. Je vais essayer de faire le maximum, voire même la totalité des sanctuaires, tout ça. À mon avis, il y aura un DLC. Pas tout de suite parce que le jeu vient de sortir. Mais si DLC il y a, évidemment, on fera le DLC, tout ça, voilà. Donc j'attends. Je suis très attentif et très impatient de voir ce que ça va donner. Ok. Et toujours cette absence de musique qui est très immersive. Q.
qui nous plonge dans la nature. Le jeu, à mon humble avis, a perdu un petit peu son côté apaisant, son côté relaxant. Mais il n'en reste pas moins que c'est un très très grand jeu. Et ça ne boude pas mon plaisir, j'arrive enfin à le dire sans dire de conneries. Alors je vois que pas mal d'entre vous ont commenté la vidéo du concert de Rise of the Elements. Je vous en remercie, c'était un peu pour vous remercier de votre fidélité, de me suivre aussi longtemps. On va retourner à la tour de la plaine, parce que je ne retrouve plus le géoglyphe. Et apparemment, certains de vous, d'entre vous ont aimé la vidéo, je vous en remercie. Certains ont dit que la vidéo, le concert avait, le groupe avait l'air incroyable, mais écoutez, merci beaucoup, c'était notre premier concert. Et sachez que c'était presque un an de travail qui ont abouti à ce concert dans une petite ville à côté de là où j'habite. Et c'était un très beau concert, pas très loin, sans mentir, exagérer, derrière les fabuleux concerts que j'ai pu donner avec Citadel. Mais en tout cas, on a tous très bien, on a tous travaillé comme des malades. Et on est vraiment très, on est très content du résultat. Ok, alors attendez. On revient un petit peu sur nos pas. Ok. Il y a une espèce d'éclat de fragment d'étoile. Je vais me baser sur ça pour y aller. Ok. D'accord. Où est-ce que c'est le plus près? Ah d'accord, c'est par là. On va se téléporter ici. Ok. Bien. Non, bah écoutez, il s'est passé plutôt pas mal. Alors, je vais vous dire pendant que ça charge ce qu'on va faire pour la prochaine fois. Merde, ça reprend. Bah tant pis, c'est pas grave. La prochaine fois, dans l'épisode 10, on va aller parler à Bourgette. Souvenez-vous, après avoir parlé à une espèce de piaf, Albatros, on nous a dit d'aller parler à Bourgette, c'est super important. Et l'épisode 11, on fera la chasse au sanctuaire, parce que c'est super important. J'aurais vraiment besoin de pas mal de pas mal d'endurance pour, eh bien, avoir l'arme que je recherche, la lame purificatrice. On fera ensuite la quête des larmes du dragon, on terminera, on fera tous les souvenirs, la quête des grandes fées, la quête de Feras, et ensuite on fera les donjons. Donc je vous le donne dans l'ordre, il y aura les Piaf, les Goron, les Gerudo et les Zora, voilà. En tout cas, on aura tout le temps d'y revenir, le programme est plutôt chargé. Donc sachant qu'on est l'épisode 9, à l'épisode 16, ce sera le premier donjon. Si tout se passe bien, évidemment. Voilà. Bon, bah écoutez, c'est pas trop mal. C'est vraiment très très beau. Hein. Je dirais même que graphiquement, il est encore plus beau que Breath of the Wild. Et bien sûr, les îles célestes. On va visiter tout ce qui est îles célestes. On va visiter également les souterrains. Ne vous inquiétez pas, je ferai tout. Et n'hésitez surtout pas, je compte sur vous pour me donner des petites informations, des petites indications. Toute aide est la bienvenue pour me faire avancer, parce que c'est pas mon let's play, c'est aussi le vôtre, c'est le nôtre, c'est à nous. D'accord, c'était là. Oh putain, et ben je m'étais complètement gouré. D'accord, c'est derrière derrière le pont d'Arfan. Ok, on arrive très bientôt les amis. Lui par... Alors, la grappe des tomates d'Irule, ok. Lui pareil, c'est on fera ça plus tard. Et maintenant, il va falloir que je trouve l'alarme du dragon. Et à l'issue des souvenirs, on va assister à un truc absolument démentiel. C'est tout ce que je peux vous dire. C'est bien quand il n'y a pas de musique comme ça, c'est vraiment très bien. Bien. Alors, chers amis, nous arrivons bientôt. Ah, l'alarme du dragon, on y est presque, voilà, ça y est. On est au géoglyphe. Nous sommes au géoglyphe. Voilà. Maintenant, il me reste plus qu'à trouver l'alarme du dragon. Et c'est à l'issue de ceci qu'on va se laisser, les amis. Alors. Voilà, on y est, ça y est. Les amis, maintenant, soyez très attentifs. Vous allez en prendre plein la gueule. Ok, excusez-moi les amis, j'ai une petite coupure encore une fois, c'est pas grave. Et là, qu'est-ce qu'on voit? Je mettais petite capture et que la magie s'opère.
L'heure est venue de m'emparer du royaume. Vous connaissez ces monstres-là? Un troupeau entier. Ils sont nombreux. Impossible de dire combien. Les Moldarkor ne sont pas grégaires. Pourquoi attaquent-ils en groupe? Regardez bien ce que tient Rauru dans la main droite. La main gauche, pardon. Non, main droite. Et regardez bien ce que Sonia a autour du cou. Par quel prodige ? La force ne nous mènera-t-on nulle part ? Quelle classe de Ganondorf, hein ? Quelle classe ? Les fameuses pierres occultes des Sonao. Très intéressant. Oh là 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 là, encore une fois c'est incroyable les amis. Bon, eh bien il me reste une poignée de secondes avant de vous laisser, je suis désolé, c'était plutôt reste, et malgré la coupure qui m'a encore emmerdé. On va devoir se laisser, je vous laisse avec les formules d'usage, vous savez quoi faire. On se retrouve jeudi prochain à 18h pour les épisodes 10 et 11. D'ici là, portez-vous bien, passez un bon week-end, passez une bonne semaine, on se retrouve demain pour Breath of the Wild et après-demain pour Skyward Sword. Passez un bon week-end. Et à la semaine prochaine. Gros bisous tout le monde. Salut. Et gros bisous. Salut. Et n'oubliez pas, on se retrouve tous les week-ends. Allez, salut tout le monde. Gros bisous. À plus. Prenez soin de vous.